Bien, bonjour à toutes et à tous. Amin Maalouf est très connu et je pense évidemment du public présent. Je vais quand même me permettre de faire un rapide portrait de vous, si vous voulez bien, cher Amin Maalouf. Donc, vous êtes né à Beyrouth le 25 février 1949, hein, vous avez fait 70 ans. Vous êtes élève au Collège Notre-Dame de Jamour, puis à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous êtes grand reporter dans un des journaux parmi les plus prestigieux du monde arabe, le quotidien An-Nahr. Vous sillonnez le monde et vous quittez le Liban un an après le début de la guerre civile en 1976. Vous dites sur une embarcation de fortune. Vous arrivez à Paris, vous devenez rédacteur en chef de Jeune Afrique. Et puis votre premier livre publié chez Jean-Claude Lattès, c'est Les croisades vues par les arabes, un livre absolument passionnant, publié en 1983. Premier grand succès de librairie avec Léon l'Africain, 1986. Vous obtenez le prix Goncourt en 1993 pour Le rocher de Tanios, dont l'action se passe dans un Liban des années 1830 que se dispute l'Empire ottoman, déjà le grand malade de l'Europe, un des grands malades, l'Égypte et puis le Royaume-Uni. On y lit cette belle métaphore. Le destin passe et repasse à travers nous, comme l'aiguille du cordonnier à travers le cuir qu'il façonne. Fin de citation. C'est une phrase que l'on aurait pu trouver dans votre dernier livre, tellement le destin de Levantin, comme vous dites que vous êtes, est présent au fil des pages. En 1998, on vous doit le très remarquable Les identités meurtrières. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure dans la loge, couronné du prix européen Charles Veillon un an plus tard. Et puis en 2011, vous entrez à l'Académie française, au fauteuil, excusez du peu, de Claude Lévi-Strauss. Je vous ai dit que je suis peut-être un des derniers structuralistes ou lévi-straussiens en activité dans l'université française, donc ça m'a beaucoup touché. Voilà, je voudrais mettre en perspective votre livre, Le naufrage des civilisations. La conclusion des identités meurtrières est un vœu. Je vous cite, hein, il faudrait faire en sorte que personne ne se sente exclu de la civilisation commune qui est en train de naître, que chacun puisse y retrouver sa langue identitaire et certains symboles de sa culture propre, que chacun, là encore, puisse s'identifier, ne serait-ce qu'un peu, à ce qu'il voit émerger dans le monde qui l'entoure, au lieu de chercher refuge dans un passé idéalisé. Parallèlement, chacun devrait pouvoir inclure dans ce qu'il estime être son identité une composante nouvelle, appelée à prendre de plus en plus d'importance au cours du nouveau siècle, du nouveau millénaire, le sentiment d'appartenir aussi à l'aventure humaine. C'est pages 187 et 188 des identités meurtrières. 21 ans plus tard, l'épilogue du naufrage des civilisations est d'une toute autre tonalité. Je vous cite encore. C'est à partir de ma terre natale que les ténèbres ont commencé à se répandre sur le monde. Cette dernière phrase, j'aurais hésité à l'écrire il y a quelques années. J'aurais eu l'impression d'extrapoler grossièrement à partir de ma propre expérience et de celle des miens. Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que les convulsions qui secouent la planète sont directement liées à celles qui ont agité le monde arabe dans les dernières décennies. Je n'irai pas jusqu'à dire que les flammes qui ont embrasé le centre du Caire en janvier 1952 et celles qui ont embrasé les deux tours new-yorkaises un demi-siècle plus tard relèvent d'un même incendie, mais chacun peut constater à présent qu'il existe un lien de cause à effet entre le naufrage de mon, entre guillemets, Levant natal et celui des autres civilisations, page 328. Peut-on dire, cher Amin Maalouf, que votre dernier livre est un cri d'alarme pour que vos enfants, vos petits-enfants et leurs contemporains ne vivent pas dans un monde de cauchemar, page 327, même si en exergue de votre épilogue, vous citez Pedro Calderón de la Barca, l'un des poètes les plus éminents de ce qu'on a appelé le siècle d'or espagnol. Le pire n'est pas toujours certain. On vous sent d'un pessimisme terrible. Pourquoi? Merci de cette présentation qui me fait réfléchir effectivement au sens de ce livre et à la manière dont il peut être reçu. Merci de votre présence et de votre accueil. Je réfléchis un peu à voix haute. J'ai l'habitude depuis très longtemps, j'allais dire depuis 60 ans, donc depuis l'âge de 10 ans, de suivre de très près l'évolution du monde. de suivre les informations avec passion, d'écouter les radios, de lire les journaux. Aujourd'hui, je regarde aussi les écrans. Et j'ai eu envie, dans les 2-3 dernières années, de comprendre ce qui s'est passé. Je veux dire par là, nous avons assisté, ma génération a assisté à une transformation extraordinaire du monde. Nous avons connu une telle évolution dans le domaine de la connaissance que nous avons la capacité aujourd'hui d'avoir accès à tout le savoir des hommes à chaque instant devant nous. Nous avons vu des miracles se produire. Je cite en passant, mais ce n'est pas le seul, ce qui arrivait en Chine. Dans ma jeunesse, on voyait la Chine dans ses convulsions, ses grands bonds en avant, ses révolutions culturelles. Et là, nous assistons à un phénomène étrange, un pays gouverné par un parti communiste qui réalise une avancée extraordinaire au sein du monde capitaliste. Donc c'est probablement le paradoxe le plus étonnant, un des paradoxes les plus étonnants de notre époque. Et nous avons aussi, et pour moi, je trouve que c'est un des éléments les plus extraordinaires, les plus prometteurs, les plus fascinants de notre époque. Il y a des progrès en médecine qui ont complètement changé notre relation à la vie, à la mort, à la maladie, à la douleur, etc. Et à côté de cela, nous avons un monde qui se porte mal, où il y a des tensions identitaires de plus en plus fortes dans toutes les sociétés et que nous ne savons pas gérer. Un monde où il n'y a pratiquement plus d'ordre international. Il y avait un ordre qui valait ce qu'il valait et qui a disparu. Il y a 30 ans, on aurait dû bâtir un autre et on n'a pas su le faire. On en a parlé. On a parlé du nouvel ordre international. Et on n'a pas su le bâtir. Nous avons manifestement le début d'une nouvelle guerre froide dans le monde, d'une nouvelle course aux armements, avec de nouveau certains des acteurs d'avant, les États-Unis, la Russie, quelques autres pays, et puis d'autres acteurs qui sont beaucoup plus actifs aujourd'hui, dont la Chine, l'Inde et quelques autres. Nous sommes dans un monde qui a tout ce qu'il faut pour résoudre les problèmes qui se sont posés à l'humanité depuis l'aube des temps. Et c'est un monde qui, à mes yeux, fait naufrage. Naufrage moral. Partout, nous regardons autour de nous. Même les pays qui se portent relativement le mieux. Je regarde vers les États-Unis, qui est quand même la grande puissance, le pays le plus riche, le plus créatif aussi, d'où nous viennent tous ces instruments qu'il a fallu fermé avant le début de la rencontre, mais c'est vrai. Qui sont révélés fort utiles quand on n'amène pas les questions qu'on doit vous poser, quand même. Qui sont extrêmement utiles, qui ont changé notre vie, et pour l'essentiel en mieux. Il y a des côtés plus sombres, mais pour l'essentiel, ça a changé en mieux. Et en même temps, on regarde vers les États-Unis et on se dit, mais quel naufrage moral quand même. Alors on va venir sur la notion de naufrage, et en particulier avec ce que vous faites, la métaphore avec le Titanic, évidemment. Votre thèse, en tous les cas le début de votre livre, c'est d'essayer d'identifier en quoi ce qu'a vécu le Levant est presque prophétique, on pourrait presque dire, anticipe ce qui s'est passé dans le reste du monde. Je dis, les ténèbres, les lumières se sont éteintes et les ténèbres se sont propagées à travers la planète. Alors, vous vous interrogez vous-même, page 83, vous dites, est-ce que j'ai raison d'extrapoler comme ça la situation, mon vécu dans cette région natale au reste du monde? Et vous dites, finalement, c'est parce que, et c'est justement pour cela, parce que je suis né et que j'ai grandi au bord de la faille, que je m'efforce de comprendre comment la secousse s'est produite et pourquoi elle s'est propagée dans le reste du monde avec les conséquences monstrueuses que l'on sait. Alors, donc, c'est l'image du séisme. Hein, vous parlez d'un séisme de grande magnitude, hein, une secousse mentale de très grande magnitude. Qu'est-ce qui s'est passé au Levant qui serait en quelque sorte les prolégomènes de ce qui s'est passé postérieurement à l'échelle de la planète? Effectivement, c'est-à-dire en mettant en parallèle tout ce qui va bien et tout ce qui va mal, j'essaie de comprendre pourquoi ce paradoxe se pose aujourd'hui et j'essaie de repasser en revue les événements des dernières décennies pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ce dérapage. Et comme j'ai grandi dans cette région que j'appelle le Levant et que j'ai observé l'évolution de cette région, j'étais tenté de considérer que quelque chose a commencé à se passer là. Mais chaque fois, comme vous l'avez noté au début, chaque fois que je le disais, je m'arrêtais et je disais, mais est-ce que je ne serais pas en train de souffrir de ce travers tellement commun, de considérer que ce qui m'arrive à moi, à la région d'où je viens, au pays d'où je viens, est le plus important. Et constamment, je me suis posé cette question. Et ma réponse aujourd'hui, c'est que malgré tout, quelque chose s'est passé dans cette partie du monde qui a rayonné, mais le terme n'est pas adéquat parce que la lumière rayonne, les ténèbres ne rayonnent pas, mais quelque chose s'est passé dans cette région. Cette région n'est pas n'importe quelle région du monde. C'est de ça dont il faut, je crois... C'est une région qui a vu naître les trois grandes religions monothéistes. C'est un lieu commun de dire que les plus anciennes civilisations, la vallée du Nil, la Mésopotamie, sont là. Le croissant fertile, c'est pas rien quand même. Hein. Et effectivement, il y a un côté symbolique très fort dans cette région. Si le monde avait devant lui, dans cette région, un exemple de coexistence harmonieuse entre les différentes religions, entre les différents peuples, je pense que cela aurait eu une sorte de rayonnement positif sur l'ensemble des sociétés. Et le fait de voir dans cette région, si symbolique, si importante, de voir l'exemple de la tribalisation, des conflits de plus en plus violents, de plus en plus incompréhensible, je pense que ça a eu un effet extrêmement négatif sur d'autres régions du monde. Et c'est d'autant plus regrettable que j'ai connu dans cette région quelque chose de différent. J'ai connu d'autres relations entre les communautés, entre les gens. On aurait pu, dans cette partie du monde, produire un exemple de coexistence. On a failli le faire, et puis finalement, on n'a pas su le faire. Parce que votre famille a une histoire qui, d'une certaine façon, est un concentré, je ne dis pas un précipité de cette histoire du Levant, comme vous dites. Du côté de votre maman, ils s'établissent en Égypte, à Héliopolis. Hein, c'est une ville neuve, construite, vous l'avez dit d'ailleurs, par le baron Ampin, le baron belge, à côté du Caire, votre aïeul, votre grand-père, hein, chef d'entreprise, on veut dire, mais enfin également négociant. Enfin, voilà. À l'origine, il est parti de la montagne libanaise. Ouais. Et il avait une spécialité, c'était de dompter les chevaux. C'est ça, voilà, voilà. Et il était réputé pour être un excellent dompteur de chevaux. C'est comme ça qu'il s'est fait une place dans la société égyptienne de l'époque, où le cheval était très présent. Et à l'époque, l'Égypte était une destination extraordinaire pour l'émigration. Vous dites que tout le monde s'y retrouve. Il y a une fusion, en quelque sorte, au point même, pardon, que votre grand-père fait venir d'Italie, au moment de la construction de la maison d'Héliopolis, la statue de Sainte-Thérèse, une petite statue de Sainte-Thérèse. C'est ma grand-mère. C'est votre grand-mère. C'était sa dévotion à elle. Mais c'est la grande Thérèse, hein, j'imagine. Hein, c'est oui, ça. Elle a fait venir une. Et quand la maison est vendue à un officier égyptien en 1953, quoi, avec les officiers libres, enfin au moment de l'arrivée de Nasser, quand il faut tout quitter. Votre grand-mère fait promettre à l'officier qu'il ne bougera pas la statue. Pas, voilà. Et il y a 4 ou 5 ans, mon oncle, donc le frère de ma mère, est allé pour la première fois depuis très longtemps en Égypte. Il a vu la maison et il a confirmé que la statue était encore sur la façade de la maison. Donc là, vous dites que sous la dynastie Farouk et avant. Il y a des Juifs, des Arméniens, des Libanais. Bon, tout ça fonctionne en Égypte au point que... Beaucoup de Grecs, beaucoup d'Italiens. Voilà, des Grecs, des Italiens. Au point que toutes les discussions auxquelles vous avez accès... donc vous êtes né en 53, hein, 49. 49, excusez-moi. 49. 49. Vous avez le souvenir quand la famille va quitter Héliopolis pour arriver au Liban, vous entendez parler d'un paradis perdu. C'est comme si cette partie de votre famille avait... En fait, je n'ai pas de souvenir direct de l'Égypte, puisque j'y allais aux vacances. J'y allais, mais j'étais très petit. Oui. Et à partir de l'âge de 3 ans, ma mère ne m'a plus jamais emmené là-bas parce que les choses avaient changé. Mais mon premier voyage, c'était à 28 jours. Ma mère, c'était plus facile pour elle de me prendre dans sa famille pour que tout le monde s'occupe de moi. Et je pense que c'était une facilité. En plus... il y avait en Égypte une atmosphère. Ma mère qui a aujourd'hui 97 ans continue à parler tous les jours de l'Égypte, du bonheur d'avoir été en Égypte. J'ajoute quand même que ce bonheur n'était pas pour tout le monde. C'est-à-dire, il y avait des communautés privilégiées, et puis il y avait aussi une cassure entre toutes ces communautés et la population locale. Un des symboles de cette cassure, c'est qu'il y avait, pas pour les Libanais, mais pour les Italiens, les Grecs et beaucoup d'autres, le principe d'extraterritorialité qui faisait que si quelqu'un commettait un crime et qu'il était de nationalité étrangère, on ne pouvait pas le juger sur place, on devait l'envoyer dans son pays. Donc, ce qui a provoqué énormément de ressentiment. Je raconte dans ce livre l'histoire du propriétaire des grands magasins les plus importants d'Égypte, qui s'appelait les magasins Sikurel. Et donc, le patron des magasins Sikurel, qui s'appelait Salomon Sikurel, en 1928, est assassiné. On découvre assez vite que les coupables sont son ancien chauffeur et d'autres personnes, lui. Sauf que sur les 4 personnes qu'on arrête, il y a 2 qui sont de nationalité italienne. On ne peut pas les juger. On les envoie en Italie. Il y a un 3e qui est de nationalité grecque. On ne peut pas le juger. On l'envoie en Grèce. Il y a un seul qui n'avait pas de nationalité étrangère, qui était apatride. On l'a pendu. On l'a accusé d'être le seul responsable. Alors que c'était plutôt probablement un compas. Voilà. Donc il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et donc Quand je dis paradis, c'était paradis pour une partie de la population, mais pas pour tout le monde. Alors arrivent donc ces fameux officiers libres, d'abord Neguib, et puis très vite Nasser. Votre relation à Nasser, vous en tant que jeune homme, elle est tout à fait étonnante. Vous passez par des sentiments, j'allais dire, très variés. Vous dites que vous comprenez très tôt une définition excellente de l'autoritarisme avec Nasser. À présent, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Et votre père, qui est un éditorialiste réputé, très lu au Liban, qui manque pas d'humour, ne pardonne pas à Nasser d'avoir créé, voulu faire la République arabe unie, qui va pas durer longtemps, hein, elle va durer de février 58, je crois, hein, à septembre 61. Donc c'est cette alliance avec la Syrie. Votre père écrit un texte en disant, quand on a la chance de diriger un pays aussi prestigieux que l'Égypte, où il y a des chaires d'égyptologie dans les universités du monde entier, on ne s'amuse pas à en changer de nom pour créer la RAU. Est-ce qu'on va ouvrir des postes de raouologue et des chaires de raouologie dans les universités du monde? Ça va d'ailleurs valoir à votre père d'ailleurs des menaces de mort. Hein, et là on est au Liban. Nasser... Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour le monde arabe quand il Aujourd'hui, on se rend plus compte de ce qu'a représenté Nasser dans les années 50 et 60. C'était une immense figure. Dans le monde arabe, il y avait ces photos partout, et pas seulement en Égypte. Il y avait autant de photos à Beyrouth qu'au Caire, et ça allait de Nouakchott jusqu'à... même dans des pays qui n'étaient pas arabes, mais qui avaient les mêmes sensibilités. Des non-alignés, quand même. Et c'était une grande figure sur la scène internationale. Donc, il y avait une véritable dévotion pour lui. Sauf que dans ma famille, c'était celui quand même qui nous a poussés hors d'Égypte. Donc, il y avait une ambiguïté. Mais c'est une époque qui qui est passionnante d'un côté, mais en même temps une époque très très éprouvante pour ceux qui l'ont vécu. Moi, j'ai essayé. Bon, je me suis pas trop attardé quand même sur cette époque, mais je pense qu'il fallait remettre en perspective cette époque et essayer de comprendre comment elle a influencé la suite des événements, parce qu'elle a eu des répercussions sur notre monde d'aujourd'hui. Mais vous êtes tellement, quelque part, je pense, impressionné par Nasser, que vous racontez qu'en 67, au moment de ce que les Arabes ne veulent pas appeler la guerre des 6 jours, ils trouvent le terme injurieux, ils l'appellent 67 ou même Naksa, c'est un propos d'ailleurs de Nasser lui-même, ça veut dire le revers provisoire. Vous allez voir vos résultats affichés à l'Université Saint-Joseph. C'est le jour où vous entendez la démission de Nasser après la défaite de 67, et vous regardez les résultats et vous dites je repars, et tout d'un coup je réalise que je ne sais plus si je suis admis en deuxième année mais je pense que tellement vous avez l'esprit perturbé par totalement assommé par ce qui venait de se passer. Effectivement, je devais avoir mes résultats d'examen ce jour-là. C'était la première année de sociaux, de sciences éco. Ouais. Et je suis allé voir, j'ai regardé, il y avait mon nom, il y avait le résultat qui était en face. Admis au collège. Enfin, j'ai regardé, puis j'ai quitté la faculté, et en sortant, je me suis rendu compte que je n'avais pas mémorisé si j'avais réussi ou échoué. Et il a fallu revenir, regarder le. Et pour moi, ça reste le moment qui évoque la confusion mentale qu'on pouvait avoir face à des événements de cet ordre. Alors, vous dites que la défaite de 67, elle est fondatrice parce que vous la comparez à la débâcle de juin 40 pour la France, mais vous dites que la débâcle de juin 40 pour la France a été réparée 4 ans plus tard par le débarquement et la libération. Moi, je voulais vous poser la question... Finalement, ce qui a été réparé, c'est plutôt pour la France, c'est plutôt le roman qui a été écrit par De Gaulle et les communistes, comme quoi la France serait libérée par ses propres forces. à l'été 44. On sait bien que c'est pas la réalité historique, même si De Gaulle le proclame à l'hôtel de ville savez, en août 44. Alors, la préoccupation de De Gaulle à l'époque, c'était que le pays retrouve sa dignité et sa confiance en lui-même. Donc, c'est vrai que la contribution des Américains, des Britanniques à la bataille a été décisive, mais ce n'était pas le plus important à ce moment-là. Le plus important était que le pays recommence à vivre, qu'il surmonte cette débâcle qui a été extrêmement traumatisante et qu'il reprenne sa place dans, au milieu des nations, qu'il prenne par exemple son siège permanent, qu'il obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité, ce qui était... Et donc, je qualifierais cette attitude de création d'un mythe positif. Je crois qu'à certains moments dans l'histoire, on a besoin de créer un mythe positif. Et ça, Nasser n'a pas réussi à le faire. Non, parce que c'est plus facile à faire avec une victoire qu'avec une défaite. Ah, est-ce que Sadat n'a pas essayé? Parce que vous ne parlez jamais de Sadat. Vous citez pas Sadat une seule fois. Est-ce qu'il n'a pas essayé Sadat par la guerre de Kippour? Il a essayé, mais curieusement, les gens n'ont pas vu en lui celui qui a pris une petite revanche. Les gens, c'est injuste, je suis d'accord avec vous. C'est assez injuste, mais je pense que Sadat n'a jamais su incarner cette aspiration arabe à la dignité, à la reprise d'une place dans le monde. Il n'a jamais su le faire, probablement aussi parce qu'il n'a pas essayé de le faire. Sadat n'a pas essayé d'être l'héritier de Nasser, il a essayé de faire un compromis. Il a pu faire un compromis, mais je me souviens encore d'un ami qui était un grand intellectuel au Liban, et je lui posais une question qui ressemblait un peu à la vôtre. Je lui dis mais quand même, Sadat, il n'a pas obtenu une victoire, mais c'était quand même, c'était pas une débâcle comme en 67. Bah, enfoncer la ligne Barlev, c'était pas rien quand même. Et il a eu une réponse un peu énigmatique, mais qui est assez symbolique de. Il a dit: Nasser a été plus grand que la défaite, Sadat a été plus petit que la victoire. Alors, je vous laisse interpréter, mais je pense que dans son ambiguïté, ça représente ce que les gens ressentaient à l'époque. Nasser, il a une autre phrase peu de temps avant sa mort, enfin c'est un de ses derniers discours. Il décède, il faut le rappeler, d'une crise cardiaque en septembre 70. À 52 ans. Voilà, en septembre 70. Au moment où il a pratiquement réussi à réconcilier, même si c'est de façade, Arafat et Hussein de Jordanie. Puis il fait des allers-retours incessants entre les lieux de négociation à l'aéroport du Caire. Il a une phrase étrange et un parallélisme assez étonnant. Il dit tout comme l'ennemi, Israël ne peut pas se permettre de perdre une seule bataille parce qu'il se bat dos à la mer. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une bataille de plus. Nous nous battons le dos au néant. Comment vous expliquez cette expression? Je pense qu'il a eu raison. La preuve, au lendemain de 67, le monde arabe s'est retrouvé dans le désespoir et il n'a jamais su surmonter ce désespoir qui est né en 67. Et bon, il y a toutes sortes d'explications, mais c'est vrai que, pour reprendre la comparaison avec la France a connu la débâcle en 40, la revanche en 44. Ouais, ouais. Les États-Unis ont connu Pearl Harbor en décembre 41, et ils ont jeté des bombes atomiques sur le Japon en août 45. Ouais. Ouais. Le monde arabe, il a connu une défaite en 67. Il n'a jamais pu prendre sa revanche. Donc, c'est une des explications du, du, du désespoir qui est né dans le monde arabe. Maintenant, quelle aurait pu être sa revanche, je ne sais pas, mais en tout cas, il est resté sur une défaite, et je pense que ça joue un rôle, pas seulement d'ailleurs pour le monde arabe, parce que ça a amené à une évolution dans le monde arabe, dans tout le monde musulman, du nationalisme arabe que représentait Nasser vers une autre forme d'idéologie politique qui est un nationalisme fondé sur la religion. Et ça a constitué un changement majeur dans l'évolution non seulement de ces pays, mais on a vu les conséquences ailleurs. C'est-à-dire il y a une nouvelle phase de l'histoire qui a commencé avec l'émergence de cette autre idéologie fondée sur la religion et qui a pris son essor, notamment avec la révolution iranienne en 79. On va évoquer cette fameuse année de 79. Hein. Qui marque quand même le début d'une autre phase dans l'histoire. Et nous vivons aujourd'hui, depuis 40 ans, dans une autre phase, nous allons en parler, qui a commencé en 79, parce que en passant en revue les événements des 60 dernières années, je me suis dit, c'est là que les choses ont basculé, autour de l'année 79. Alors, je voudrais qu'on fasse un détour quand même avant par le Liban. Bon, je pense que tout le monde dans la salle connaît cette phrase du général de Gaulle, vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples. Il y a une autre phrase qu'on dit au Liban, dit, si vous avez tout compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. Exactement. Alors, je vais me contenter de lire, page 63, la liste des communautés religieuses locales du Liban, dont je précise quand même qu'on trouve la trace du mot Liban, qui veut dire soit lait, soit blanc, comme les neiges qui recouvrent le sommet, ou comme l'arbre à l'encens dans l'épopée de Gilgamesh en 2900 avant Jésus-Christ. Et puis, puisqu'on parle d'élections européennes, je rappelle quand même que c'est en Phénicie, la déesse phénicienne Europe, qui est enlevée par Zeus. Selon la mythologie, il y avait une princesse phénicienne, oui, effectivement, oui, qui a été enlevée par le taureau de Zeus, qui s'était transformé en taureau, qui a été emporté vers le continent qui allait porter son nom. Et ce mythe évidemment reflète une réalité, parce que souvent les mythes racontent à leur manière quelque chose d'autre. Il reflète le fait que l'alphabet a été transmis par les Phéniciens vers la Grèce et à partir d'elle vers l'Europe. Et selon ce mythe d'Europe, le frère d'Europe, venant la chercher en Europe, a apporté avec lui l'alphabet. Et donc, c'est surtout le mythe de l'alphabet qui vient à travers le mythe d'Europe. Le fameux alphabet cunéiforme. Voilà. Alors, les communautés, les maronites, les druzes, les sunnites, les chiites, les grecs orthodoxes et les grecs catholiques, et aussi les arméniens, les syriaques, les juifs, les alaouites, les ismaéliens. Vous dites que du temps de votre enfance, il eût été inconvenant et même carrément grossier de faire la distinction entre autochtones et halogènes, ou entre libanais de souche et libanais de fraîche date. Mais vous dites aussi que le modèle levantin avait une tare originelle, l'éloignant complètement du modèle qu'on a pu lui donner, qui était le modèle suisse. Ces communautés avaient tendance à toujours chercher un protecteur qui est en quelque extérieur, hein, qui était chargé de les défendre. Alors expliquez-nous ça, et en particulier, quel a été le rôle de la France dans cette histoire ? C'est vrai que traditionnellement, les communautés de cette partie du monde, qui s'est appelée Liban plus tardivement, parce qu'avant c'était le Mont Liban, puis ça a été le Grand Liban, les communautés qui vivaient dans cette partie du monde étaient sous autorité ottomane, et pour pouvoir se dégager de l'autorité ottomane, éprouvaient le besoin d'avoir des alliés puissants à l'extérieur. Et donc, effectivement, les maronites ont ont été les alliés de la France. Les Druzes, qui étaient les principaux rivaux des Maronites dans la montagne, se sont alliés à l'Angleterre, qui était la principale rivale de la France. Les orthodoxes se sont alliés naturellement à la Russie, puisque la Russie était orthodoxe, etc. Moi, j'appartiens à une toute petite communauté que vous avez mentionnée à la fin de la liste, qui sont les Grecs catholiques melkites, et qui n'a jamais joué un rôle majeur, puisque ça a toujours été une petite minorité. Mais je me souviens qu'il y avait un lien affectif avec l'Empire austro-hongrois, qui était un empire catholique, et en même temps qui n'était pas pris par les autres communautés. Donc, ma communauté avait effectivement ce lien. Et d'ailleurs, je me souviens encore, au village, il y avait des maisons qui avaient un grand portrait de l'empereur de François Joseph, absolument. Ouais, ouais. Alors, vous dites que le Beyrouth de votre jeunesse, c'est donc un lieu de coexistence. Vous dites c'est pratiquement... Ça n'a jamais été idyllique. Hein. Oui, c'est ça. Mais, non, ouais, mais ouais. Il y avait une qualité de vie commune qui était... rare à travers le monde, et qui pouvait, si elle avait été cultivée, s'il n'y avait pas eu cette attitude des communautés, cette tendance à s'allier à des forces extérieures, à les impliquer dans les conflits internes, qui aurait pu évoluer vers quelque chose d'autre, d'assez exemplaire pour le reste du monde. Il y a un destin d'une autre ville européenne qui est un peu comparable, c'est Sarajevo. On l'appelait au Moyen-Âge la Jérusalem des Balkans. 4 religions consécutivement à la Réforme. Et cette ville qui va avoir un siège plus long que celui de Léningrad, 3 ans, 8 mois et 9 jours, d'avril 92 à février 96, elle va être littéralement un terrain de guerre d'une brutalité totale, avec des snipers qui font des cartons tous les jours et qui vont se faire payer au nombre d'habitants de Sarajevo abattus. Quand on connaît la ville, on voit comment ça s'est passé. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire le rapprochement entre le destin de Beyrouth, de la guerre civile et Sarajevo? Il est toujours difficile d'organiser la vie de communautés multiculturelles. La diversité est une grande richesse, et en même temps, si elle est mal gérée, elle peut devenir une calamité. Et je pense que c'est vrai partout. C'est vrai partout. Je pense que dans ce monde où la diversité est une réalité, c'est pas juste une perspective. Je pense que tous les pays aujourd'hui, toutes les villes ont un certain degré de diversité qui ne cesse d'augmenter. Si cette diversité est bien comprise, qu'elle est bien gérée, qu'on réussit à faire en sorte qu'une harmonie existe, que personne ne se sent exclu, qu'on arrive à convaincre les gens de s'intégrer et de sentir que les autres sont véritablement des compatriotes. Si on arrive à réussir, en d'autres termes, la diversité, cela peut donner des résultats miraculeux. Si on ne sait pas la gérer, si on laisse faire le temps, comme on est souvent tenté de le faire, si on fait les choses d'une manière approximative, brouillonne, comme malheureusement on le fait le plus souvent, les tensions augmentent et ça devient un véritable problème. Alors, on arrive à cette année 79, elle est effectivement fascinante. Vous dites qu'il y a 2 grandes révolutions dans cette année 79. Au mois de février, c'est... la révolution iranienne, et puis peu de temps après, c'est la révolution conservatrice avec l'arrivée de Thatcher au pouvoir en mars au Royaume-Uni. Et vous, il se trouve que c'est votre métier de journaliste, de grand reporter. Comme on dit, vous êtes toujours là où il faut, au bon endroit. Hein. Vous êtes reçu à Neaufles-le-Château, où il y a cet imam improbable là, cet ayatollah. Il y avait beaucoup de journalistes. Il y avait beaucoup de journalistes. Sauf que vous êtes invité à être dans le vol Air France qui le ramène. Là aussi, il y en avait beaucoup aussi. Oui, d'accord, mais enfin, faut pas. Enfin, c'était quand même pas un Airbus à 380. Donc voilà. Vous sympathisez avec celui qui va être son premier ministre, peu de temps d'ailleurs, puis après le ministre des Affaires étrangères. Bon. Il s'est écrit beaucoup de sottises sur, et surtout chez les intellectuels français, sur l'ayatollah Khomeini, entre autres qu'il n'aimait pas le pouvoir, que les chiites ne prenaient pas le pouvoir, etc. Comment vous expliquez ça? Et puis vous, comment vous avez couvert ça? Vous savez, quand on a la perspective historique, il y a des choses que l'on voit qu'il est impossible de voir au moment même. C'est vrai que au moment où Khomeini a été invité en France, les gens pensaient que c'était la figure symbolique d'un mouvement qui était un mouvement que l'on voyait démocratique, qui allait renverser un pouvoir monarchique qui n'était pas si démocratique. Les gens, l'image que l'on avait, c'était le pouvoir du Shah, la Savak, etc. Et peu de gens, non seulement parmi les étrangers, mais même parmi les Iraniens, pensaient que ce vieux monsieur religieux allait devenir le chef réel du pays, qu'il voudra gouverner lui-même. Et les gens autour de lui, il y avait des gens qui avaient toutes sortes d'idées. Il y avait des gens qui étaient de gauche, il y avait des gens qui étaient modernistes, qui rêvaient d'un système démocratique à l'anglaise ou à l'américaine ou à la française. Et au moment de la Révolution, tout cela était là. Toutes ces possibilités étaient là. Et je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de Khomeini. Je ne sais pas si lui a hésité, mais ou s'il avait dès le début l'intention de gouverner comme il a gouverné. Mon impression, c'est que il avait une idée en tête. Et d'ailleurs, quand on revoit les discours beaucoup plus tard, on voit qu'il a dit à peu près ce qu'il allait faire et qu'il a fait. Donc, mais on a tous, je pense qu'il faut jeter la pierre à personne, on a tous une capacité d'aveuglement extraordinaire. Regardez la capacité d'aveuglement qu'on avait à propos de la Chine. Tous ces intellectuels qui chantaient les louanges de la révolution culturelle et qui apparaissaient comme un mouvement extraordinaire, novateur. Et la révolution culturelle a été un désastre pour le pays. Il y a eu des millions de morts, il y a eu des destructions, on a détruit des monuments, on a détruit... Mais sur le moment, on ne voyait pas cela. Je pense que la grande vertu, je pense, quand on observe la marche du monde, c'est la lucidité. Il faut être lucide. On ne l'est jamais totalement. Il y a toujours des points aveugles. Il y a des choses qu'on ne voit pas sur le moment et qu'on ne voit que beaucoup plus tard. Mais il faut essayer d'être lucide. Il faut essayer de comprendre le monde et les événements du monde. Alors, la deuxième révolution, c'est la révolution conservatrice, hein, avec d'abord Thatcher, avec cette prise de pouvoir qui est très vite extrêmement dure. Hein, elle mate les mineurs gallois. Il y a cet épisode avec Bobby Sands qu'elle laisse littéralement mourir de faim dans sa prison. Là, je crois que c'est l'été 79. Hein, donc, il y a très peu de temps qu'elle est au pouvoir. Et puis, ça va aboutir à la défaite aussi de Carter et donc à la victoire de Reagan très peu de temps après. En quoi est-ce que cette révolution conservatrice, pour vous, est aussi importante comme marqueur que la révolution islamiste ou islamique? C'est évidemment des événements de nature différente. Il se fait qu'ils sont arrivés quasiment en même temps, et ils sont révélateurs d'un retournement dans l'histoire. Ce que voulait faire, et ce qu'a fait Margaret Thatcher quand elle est arrivée au pouvoir, c'était de rompre avec un capitalisme qui essayait d'arrondir les angles pour faire la concurrence au socialisme. Disons que c'était un peu cela l'état d'esprit qui régnait jusqu'alors. Le monde capitaliste disait aux pays communistes, nous aussi, nous avons des préoccupations sociales, nous aussi, nous aidons les ouvriers, etc. Et donc, il y avait une compétition entre ces deux systèmes pour voir qui allait être le plus... qui allait donner le plus sur le plan social. Et Thatcher a rompu avec ça. Elle a dit, nous ne sommes pas en concurrence sur ce plan. Nous allons mettre fin aux interventions de l'État ou les réduire autant que possible. On ne veut plus d'État-providence. Et quelque chose a changé dans la manière de gouverner partout dans le monde. Déjà, après Thatcher, il y a eu Reagan qui est arrivé au pouvoir un an et quelques plus tard et qui est arrivé en disant... L'État est un problème. L'État est le problème. Il ne faut pas demander à l'État de résoudre le problème. L'État, c'est le problème. Et quelque chose a changé dans la manière de gouverner partout et jusqu'à aujourd'hui. Les paramètres ont changé. C'est ça qu'on appelle un paradigme, en fait. Hein. Ça a complètement changé le regard qu'on portait sur l'économie, sur le rôle de l'État en économie, sur le rôle social de l'État, sur... même sur certains principes qui allaient de soi. Par exemple, le principe d'égalité. Bon. Personne n'a jamais songé sérieusement qu'on allait établir l'égalité. Si, mais la présence... Les Français. Oui, mais la présence d'une référence morale à l'égalité permet de tempérer les inégalités. Et là, on a cassé cette référence à l'égalité... Et on a un déchaînement d'inégalités. Je fais quand même une parenthèse. Cette attitude qu'en France on appelle, ailleurs on ne l'appelle pas comme ça, mais en France on appelle l'ultralibéralisme, a eu des effets qui n'étaient pas tous négatifs. C'est-à-dire, ça a libéré des forces dans l'économie, ça a permis le développement d'un grand nombre de pays du Sud, à commencer par la Chine. Ça a permis d'exporter le savoir-faire vers les pays du Sud, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Ça a accéléré les avancées technologiques. Donc, il y a, dans les événements que j'ai évoqués au tout début, en disant que nous sommes dans une époque de progrès technologique, scientifique, etc. Ce progrès est dû en bonne partie à cette attitude inaugurée par Mme Thatcher, et en même temps, les problèmes que nous avons dans nos sociétés sont, elles aussi, dus à l'attitude qui a été adoptée à ce moment-là, qui a changé le rapport entre les gouvernants et les gouvernés, et on se retrouve aujourd'hui avec de très larges sections de la population et des classes moyennes qui ont l'impression d'être laissées pour compte, d'être abandonnées, de n'avoir plus leur place dans la société. Et ce n'est pas simplement une impression. Je pense qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a de larges sections de nos sociétés qui ne sont plus la priorité pour leurs dirigeants, pour dire les choses comme ça. Et je reviens donc un instant sur ces deux événements de 79, l'un, la révolution iranienne, a conduit à un déchaînement identitaire un peu partout à travers le monde, soit directement, soit par les réactions, et perturbé la vie politique et intellectuelle d'un grand nombre de pays, y compris très loin de la région où l'événement s'est passé. Et on voit dans tellement de pays à quel point les craintes, les frayeurs perturbent la vie politique, y compris en Europe, évidemment. Et la révolution conservatrice prônée par Madame Thatcher a, elle aussi, à sa manière, créé a fragmenté les sociétés. Donc on a à la fois la fragmentation liée aux questions identitaires et la fragmentation liée aux questions sociales. Et je dirais que la caractéristique réelle de notre époque, on a dit à un moment donné que ça allait être le clash des civilisations, une confrontation entre des aires de civilisation qui allaient se... Ça, c'est la thèse de Huntington. Mais en réalité, ce qui arrive, c'est que toutes ces aires de civilisation sont en train de se désintégrer. Même celles qui semblaient sur la voie du rassemblement de l'unité, comme l'Europe. Alors, on va venir à l'Europe, mais je voudrais rester un petit peu sur l'année 79, parce que comme vous êtes extrêmement érudit et minutieux, vous ressortez même un conflit oublié. Hein, c'est l'invasion du Vietnam par l'armée populaire de Chine. C'est pas rien, ça se déroule du 17 février 79 au 6 mars. C'est très court. Il y a 200 000 soldats chinois qui sont sur le terrain, donc à l'échelle de la Chine, vous allez dire, hein, c'est pas grand chose, mais enfin 200 000, c'est un sacré corps expéditionnaire. Et les Chinois s'arrêtent, ils disent la route de Hanoï nous est ouverte, mais en fait on arrête là, on a voulu donner une leçon, parce qu'il faut dire que avant, les Vietnamiens ont voulu assurer une hégémonie sur la sous-région en intervenant au Cambodge, d'ailleurs en mettant fin aussi au régime de terreur des Khmers rouges. Donc ce conflit, vous dites, c'est aussi un marqueur parce qu'on est au début de l'ère Deng Xiaoping et c'est la première fois que quelque part la Chine sort de son glacis. Et puis ça va surtout montrer que les Soviétiques ne réagissent pas pour défendre leur allié vietnamien. Deuxième élément très important, toujours en 79 évidemment. C'est le 30 décembre 79, on est juste à la fin de l'année, c'est l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques. Et là, vous dites, par exemple, Carter a plutôt bien joué le coup, Zbigniew Brzezinski leur a tendu un piège, ils sont tombés dedans, Zbig avait compris que ça allait être leur Vietnam, mais vous dites, les Américains ont aussi joué aux apprentis sorciers, parce qu'ils ont contribué à organiser en quelque sorte... les combats en Afghanistan, vous dites Ben Laden par exemple. Et puis il y a un troisième événement, c'est cette chose incroyable qui est une prise d'otage dans le lieu saint à la Mecque, où il va falloir faire intervenir entre autres le GIGN avec le commandant Baril pour réduire cette attaque qui est à l'arme lourde carrément. Et c'est inimaginable, c'est vous dites dans l'univers mental du monde arabe, attaquer le lieu saint, c'est tout ça en 79. En fait, ce qui m'a frappé, c'est que il y a toute une concentration d'événements. Vous en avez cité un certain nombre, et il y a beaucoup d'autres qui, à un moment donné, ont fait basculer le monde dans une autre réalité. Et quand on est essayer de comprendre comment le monde est arrivé là où il est aujourd'hui. Je pense que cette année-là, c'est ce qu'on appelle l'année du grand retournement. Il y a un retournement. Et la caractéristique principale de ce retournement, c'est que du jour au lendemain, presque, les forces conservatrices se sont affirmées révolutionnaires, alors que les forces qui étaient traditionnellement les forces du progrès sont devenues défensives, conservatrices, et d'une certaine manière conservatrices, parce que leur préoccupation était de préserver les acquis. Et ce bouleversement, c'est qui s'est passé autour de 78-79, nous vivons encore ces conséquences, même si les craquements qu'il y a aujourd'hui donnent à penser qu'on est peut-être en train de préparer un nouveau retournement dans l'histoire. Mais et donc vous dites que finalement la chute du mur en novembre 89, la dislocation enfin, du bloc de l'Est, les tours du 11 septembre 2001, tout ça, ce sont les quelques-uns des répliques, on va dire, de ces événements, de ce séisme-là. Alors, vous parlez avec des mots très intéressants du communisme. Hein, vous dites qu'on a été très complaisant avec le communisme et aujourd'hui on est trop sévère. Hein. Mais je voudrais, à la fin de notre entretien, évoquer ce que vous écrivez, page 271. Vous employez un mot que vous qualifiez d'anodin. Mais je me suis demandé si c'était pas le mot qui dit au plus juste la tonalité générale de votre ouvrage. Cela aurait pu être l'inquiétude, l'apport, l'impossible retour à un âge d'or révolu et de toute manière idéalisé, la mélancolie. Le mot en question, c'est tristesse. Et vous dites, mais tristesse raconte toute la même histoire, celle d'une grande espérance qui a fini déçue, trahie, dénaturée, anéantie. Vous poursuivez en une courte anaphore en évoquant quatre grandes tristesses profondes et puis une cinquième qui est celle de l'Europe aujourd'hui. Alors vous en avez dit un mot tout à l'heure, je me suis permis de vous interrompre pour dire qu'on allait en reparler. Pourquoi, d'ailleurs je ne vais pas vous demander pourquoi est-ce que et en quoi l'Europe vous rend triste aujourd'hui. Vous le dites fort bien dans le livre, donc je laisserai le lecteur découvrir les arguments. Mais c'est une question différente. Celle qui engendre chez vous aujourd'hui la tristesse, en quoi elle a pu engendrer, si ça a été le cas, bonheur et joie? Je crois que le rêve européen est le plus prometteur de notre époque. L'idée de voir des pays qui se sont constamment combattus se retrouver, dépasser leurs conflits et essayer de bâtir quelque chose ensemble, essayer d'envisager l'avenir ensemble, c'est un rêve fondamental pour l'humanité entière et pas seulement pour un continent. Et la tristesse que j'exprime vient du fait que ce rêve, on est en train de le laisser se dissoudre. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en France, il suffisait qu'un homme politique dise « Europe ». Les gens voyaient l'avenir, ils voyaient des champs ensoleillés. C'était un mot magique dans le discours politique. À 2 ans après votre arrivée, si je peux me permettre, Amin Maalouf, un certain Jacques Chirac, de son lit d'hôpital, vous me direz que c'est pas lui qui avait écrit le texte. Hein. Ça s'appelle « L'appel de Cochin ». Je vous invite à le relire. Dans « L'appel de Cochin », c'est pas du tout la vision des champs de blé heureux et de fleurs de l'Europe. Hein. Il est d'une violence ce texte sur le parti de l'étranger et sur le ramollissement de la France. Il y avait donc des eurosceptiques aussi à ce moment-là. Il y a toujours eu des eurosceptiques, mais je crois que les dirigeants européens n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que les populations adhèrent totalement au rêve européen, pour que les populations considèrent que l'Europe, c'est le prolongement de leur patrie et non pas une entité extérieure habitant à Bruxelles et décidant souverainement de leur vie. Je crois que la faute des dirigeants de droite comme de gauche, c'est que chaque fois qu'ils avaient des décisions impopulaires, il disait « Que voulez-vous qu'on fasse? On est obligé de le faire parce que l'Europe nous l'impose. » À force de répéter cela, on a fini par donner de l'Europe une image désastreuse. Les gens ne voyaient plus dans l'Europe l'avenir, ils voyaient une sorte de monstre froid qui et donc, je crois qu'on a perdu l'occasion, je ne dis pas perdu pour toujours, mais on a perdu l'occasion de bâtir véritablement cette appartenance à l'Europe. En plus, on a fait des institutions qui étaient à la fois trop démocratiques et pas assez. Trop démocratiques parce que les décisions importantes doivent être prises à l'unanimité. Et je ne connais pas une institution où on peut avoir 27 ou 28 pays qui peuvent décider à l'unanimité de choses essentielles. Et par ailleurs, on a été insuffisamment démocratique parce qu'on a donné la direction de l'Europe à une commission qui n'est pas directement élue. Et des peuples qui ont des traditions démocratiques ne peuvent pas se reconnaître dans des dirigeants qui n'ont pas eux-mêmes élus. Et donc, on a laissé se perdre quelque chose au cours des 40, 50 dernières années. Et aujourd'hui, on est en train de récolter les fruits. C'est-à-dire, on a le Brexit qui n'est pas un événement négligeable, qui est quand même une secousse majeure. On a la montée de tellement de forces qui se méfient du projet européen tout entier, qui demandent, elles aussi, de se protéger de l'Europe ou de quitter l'Europe. Et bon, j'espère encore qu'il y aura un sursaut, parce que il y a la possibilité encore d'un sursaut si les électeurs prennent conscience des vrais enjeux, s'ils imposent aux dirigeants une certaine direction, peut-être que quelque chose va se faire, mais ça prendra du temps. Et on a, à mon avis, on a suivi depuis quelques années une voie qui ne pouvait pas mener à autre chose que l'échec. Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment applaudir M. Maalouf.